les amis, ce matin nous sommes arrivés ici sur cette ferme céréalière que je viens découvrir. C'est la ferme de Jean-Guy et Diane. Jean-Guy et Diane, ce sont deux Canadiens qui habitent ici à Fallers en Alberta. Ils ont une belle ferme céréalière et tous les ans, vu qu'ils sont francophones, ils reçoivent des Français en stage ou en saison. Donc là, ce sont deux saisonniers, Duncan et Fabien. Je les ai rencontrés sur Instagram, ils m'ont invité à venir et on va aller à leur rencontre. Allez, suivez-moi! Moi c'est Duncan, bienvenue à Peace Land Management. Ok, c'est le nom de la ferme? Ouais, c'est ça, ouais, okay, c'est le nom. Ah, merci de nous recevoir, ça me fait plaisir de venir vous voir. Du coup on travaille chez Jean-Guy, du coup c'est sa ferme, c'est une ferme de 2000 hectares. D'accord. On est en Alberta là. Ouais, au nord de l'Alberta, puis aujourd'hui on va se préparer pour les blés. Donc on va bientôt sortir les machines pour tout préparer. Okay. Et on va aller dans les derniers champs de blé aujourd'hui. Ok. Et avant ça, là, on va préparer pour amener le produit à l'avion, parce qu'il y a l'avion qui va pulvériser les derniers champs de canola là, qui seront prêts d'ici une semaine. Donc tu les pulvérises un petit coup avant de les récolter quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Et vous faites ça par avion parce que vous êtes occupé à faire autre chose? C'est ça, ouais, on est pas mal occupé là. Voilà, on est en plein dans les récoltes, alors on fait juste les détourages au pulvérisateur pour être plus précis, tout le reste on fait à l'avion. Okay. Parce qu'en période de récolte, là sur 2000 hectares, vous êtes combien à travailler sur cette ferme? Là on est pas loin de 6 ou 7. Là. On est 6. On est 6 sur l'exploitation là, à travailler. Ah, t'as deux camions qui tournent, t'as 3 moissonneuses, un transbo, et puis après on essaye de mettre les herbes directement derrière, ça tourne. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, ça va bientôt faire 3 ans que je suis ici, sur l'exploitation. Moi, ça fait 2 ans. Mais après, on reste pas ici l'hiver. Ah ouais? Pourquoi? C'est un peu trop froid là. Ah ouais. Ici, il n'y a rien à faire. T'as déjà vu que le matin, là, il fait pas très chaud. Ouais, il fait moins de 0 là. Ce matin, il a gelé un peu. Et la journée, comme ici, il va faire combien là? Ouais, il fait 20 degrés 25. En pleine journée, 20-23 degrés. Ah ouais, donc ça fait de geler la nuit à grand été là. À plus 23. Ouais. C'est comme ici entre l'été et l'hiver. L'hiver t'as moins 50 et nous l'année dernière on a eu plus 43, 44. Hein. T'as 102. Ah ouais. Ouais, entre l'été et l'hiver. Ouais, c'est ça. C'est le pays des extrêmes. Ah, puis là dans un mois il va bientôt neiger, donc c'est pour ça qu'on se dépêche. Hein. Finir ça et partir quoi. Finir ça, puis avant les neiges. Et il reste pas grand monde à la ferme ici l'hiver quoi. Non, il reste pas grand monde, juste deux personnes pour ressortir le grain. Et le propriétaire lui, Jean-Guy là, il s'en va aussi? Il s'en va en vacances là. Ah ouais. Tu le verrais dans la journée ou? Ouais, bien sûr. Bon, je voulais sortir le matos et on se voit tout à l'heure. Elle s'ouvre bizarrement, non? Ouais, c'est des porte-avions, là. C'est pour les gros hangars à avions. Là. Ah ouais? Sur les aéroports, c'est des portes comme ça. Et les portes, je crois, c'est pour les grandes largeurs. Et du coup, le but des portes comme ça, c'est vraiment de pouvoir rentrer avec les 3 moissonneuses avec les coupes accrochées. Comme ça, t'as pas à décrocher le soir. C'est pour quelle largeur les coupes là? Là, elles font 12 mètres. Ouais, c'est 12 mètres et c'est une porte de 13 mètres. Ouais. Cause we're
prochain. Les amis, tout le matériel est sorti du hangar. Le 1050 vert est juste là sur le déchaumeur. Le 1050 noir, il est là sur le transborder, rouge jumelé également. Les trois moissonneuses passent une par une faire le plein. Donc c'est Duncan qui prépare les machines. Les trois machines, il fait le plein, il souffle, il regarde si les sections sont toutes bonnes, etc. On a un petit jeune d'air qui est en train de charger des camions derrière. Le 9410T, il est sur la génératrice triphasée parce qu'ici le courant c'est assez irrégulier sur le réseau. Donc tous les agriculteurs ont un tracteur sur le triphasé pour les élévateurs à grains. Donc là on va aller voir Fabien, lui il prend le pick-up et il emmène le round-up et le défoliant à l'avion qui va pulvériser les colzas autour de la ferme cet après-midi. Allez, on va voir Fabien. Bon, et pendant ce temps-là, à la fosse qui est sur le pont bascule, le 1050 vide la récolte de hier pour repartir tout de suite au champ. Donc là, je fais quelques images, ça fait assez bien. Le 1050 en jumelé qui passe sous le boisseau, vraiment limite. Je vais leur faire la petite surprise, je leur ai ramené un petit 100 bon HLG que je vais mettre dans le 1050 Black Beauty. Bon ben voilà. Impeccable. Il va ressentir le 9, le 1050, nickel, même s'il a que 700 heures. Ça y est, t'es prêt? Ça y est, là, comme t'as vu, on vient de sortir tout le matériel. Ouais. Le pupet vient de partir, du coup il va faire les tours du champ. Lui il fait que les tours, le jeune d'air là? Ouais, le jeune d'air il fait les tours du champ et nous on va amener le produit à l'avion. Le reste, c'est tout, l'avion fait tout le reste. D'accord. Et donc après c'est l'un des seuls passages qu'on va faire. Après, il faut comprendre que le colza était seulement 3 mois en terre. Ici. Ah, il a été semé il y a 3 mois. Il a été semé il y a 3 mois là. En ça n'a rien à voir avec tout quand même. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. En fait, tu sèmes en avril-mai, plutôt mai. Et là, tu vois, on est début septembre, on le ramasse déjà, tu vois. Donc à comparer, tu vois, c'est pas comparable à l'Europe, en fait. Alors, là, tu restes vraiment pas longtemps en terre. Et donc là, en fait, tu es obligé de cramer ta culture à la fin pour pouvoir la ramasser, sinon ton hiver, il arrive trop vite. Et t'as pas les 400 fongies comme en Europe? Non, pas tout ça. Donc ramener à la tonne de colza produit, c'est assez simple, finalement. C'est vraiment simple, là, comparé à l'Europe, là, on est pas mal. Ah ouais.
Donc là, on va à l'aéroport emmener ça. Ouais, là, c'est pas vraiment, c'est un petit aérodrome là. Et donc, on amène ça. Et après, donc l'avion, il va faire les deux carreaux là. Et là, il y a quasiment 500 hectares à côté de la ferme. Ok. Et donc, après, l'avion, il va tourner là. On va attendre que la chaleur remonte un peu. Et l'avion, il va tourner par midi. Il devrait tourner. Ok. Dans 2-3 heures. Ouais, dans 2-3 heures, ouais, on devrait être monté. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Got a hold on me. She's the warmth of the summer, the color of the spring. She's the strongest wind, the calmest breeze. That woman, she got a hold on me. On va arriver avec le transbo et il y a Jean-Guy qui doit arriver avec la moissonneuse. Non, il y a déjà le transbo. Ah bah ouais, ils sont déjà. Ah bah encore une. Que c'est ce champ-là qu'on moissonne là. C'est ça, c'est on va être ici toute la journée. Ok. Dans le blé quoi. Ouais, on va faire le blé et ce soir on va rentrer, on va faire les réglages, on va changer pour le canola demain. On va monter voir pour le canola s'il est prêt, on devra attaquer demain. Ah, celui qui a déjà été pulvérisé. Ouais, c'est ça. On a deux variétés là, du coup on va pulvériser la variété qui est des semaines plus tard. D'accord. Et après, ça par une semaine, ça devrait être bon. Et là c'est le jaune le pulvé. Ouais, there is a guardian that stands there at the gate asking you what you have to prove by being there so late. There's something that tells you that this is not right. But there's something else tells you it's time to take flight. Donc là ici, ce sont toutes les parcelles de la ville. Donc là c'est des carrés. Et chaque petit carré comme ça fait 64 hectares. Donc voilà comment c'est divisé un peu la ville de Bonneville. Donc là, on a le nom de l'entreprise de travaux agricoles, c'est Bonneville Air Service, c'est assez marrant. Donc là, on a la rampe, toute la rampe, et là, ben, tout le système pour pomper dans la cuve de mélange qui est juste là et tout. C'est marrant, j'avais jamais vu ça, je suis content. Ça y est, on repart. Bah, ça y est, on vient de leur donner le produit, ils vont attaquer dans une heure. Ils attendent qu'il y ait un petit peu plus de chaleur, après on sera bon pour passer au-dessus de la serre. Ok, feu. Go. D'avion, ils veulent le produit à l'avance en fait. Ouais, c'est ça, ils veulent le produit à l'avance, comme ça ils ont le temps de faire leur mélange et tout, et puis après ils sont prêts vraiment quand la température est idéale, ils sont prêts à partir. Et ça
c'est une prestation que tous les agriculteurs, c'est un entrepreneur de travaux agricoles. Ouais, en gros c'est ça, ouais. C'est l'équivalent d'un entrepreneur de travaux agricoles et du coup en fait on a plusieurs, donc nous il fait nous, toute la région de Faleur ici tout autour. Après tu vas décaler un petit peu plus vers Tanjon, tous des endroits comme ça, un petit peu plus vers le nord. Il a un autre aéroport avec un autre avion. Et, en fait ils font vraiment des secteurs bien définis en fait. Ok. Ouais, si tu fais par tout, si tu faisais tout avec ton jeune nerf, ça prendrait trop de temps et ça coûterait plus cher finalement. Quand t'as le temps, comme quand tu vas faire un fongi ou un insecticide à l'été, t'as assez bien le temps, du coup tu peux le faire au plus levé. Mais là qu'on n'a pas le temps, tu vois, là il commence déjà à faire froid le matin, là franchement il peut neiger n'importe quand là. Il peut neiger n'importe quand là. Ouais, là demain il peut neiger là. Ah ouais. C'est vraiment le pays des extrêmes ici. Et après quand c'est parti à la neige, ouais c'est fini quoi. Ouais, quand c'est parti à la neige, bah nous notre patron nous a expliqué déjà qu'il a déjà ramassé, mais tu vois, tu fais un transbo et tu fais un transbo à la journée, tu vas entre 15 et 16 heures. Dans la neige. Et puis après ouais dans la neige et puis après c'est tout. Ah ouais. C'est tout ce que tu fais. C'est vraiment un pays particulier ici. Somewhere we just messed it up and we lost our grace. Now we know we did it all. Bon, là on va aller voir Duncan qui est sur le Chevrolet 3500 avec son petit plateau. Bon, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, on a emmené le produit à l'avion du coup là. Ok. Ouais, bah moi je suis en train de préparer la remorque pour le pulver là. Ah ouais, ouais. Donc, ils vont tourner ensemble dans le champ ou? Avec l'avion. Ouais. Ouais, l'avion il va être juste en face là-bas. Ouais. Puis nous on va juste faire les tours parce qu'avec l'avion c'est assez compliqué puis c'est pas assez précis. Ah ouais, d'accord. Du coup on fait ça au pulvérisateur comme ça tous les bords on arrive à bien les faire. C'est plus précis quoi. Ouais, c'est plus okay. Précis puis les dos sont mieux faites parce que sur les bords c'est souvent un peu plus vert là. Ah ouais, ok. Pour les fourrières. Du coup t'adaptes un peu? Ouais, c'est ça, on okay. S'adapte un peu. Donc Bon. Voilà, j'ai tout préparé pour ça là. Ouais. Comment on fait? Tu disais que tu avais le temps de faire un petit tour du stockage là? Ouais, c'est ça, on va faire un petit tour ensemble et te présenter un peu tout ça. Ok. Donc là c'est des cellules de combien celle-là? Ouais, alors ça les grosses cellules que tu vois, ça c'est des cellules de 1500 tonnes. Ok. Donc pour l'instant celle-là elle est remplie de blé. Ouais. Et on en a une deuxième, celle-là ça sera pour le canola. Et celle-là elle est plus petite. Ça c'est des cellules de 800 tonnes. Il y en a combien? Il y en a 3. 4. Mais il y en a 3, puis le troisième là-bas c'est un stockage quand les camions ils arrivent en fait. On stocke directement dedans. C'est juste un stockage tampon. Okay. Puis après ils se vident automatiquement dans le séchoir quand on a besoin de sécher. Donc que... le séchoir il faut qu'il soit alimenté toujours de la même façon. Là. Parce que c'est pas tout le temps aussi top les conditions que aujourd'hui par exemple. Non c'est ça, cette année on a une année assez sèche là. Du coup on arrive à récolter du grain à peu près à 15% d'humidité là. Mais tu vois des années comme l'année dernière on est plutôt aux alentours de 18-20. T'étais ici l'année dernière aussi? Ouais l'année dernière. Ça fait combien de temps que tu viens sur cette ferme? Ça fait 3 ans là, c'est la troisième année que je suis ici là. Ah ouais. C'est ma troisième récolte. Et en France t'es originaire d'où? De la Champagne-Ardenne. Ah ouais? Ouais. C'est Champagne Saint-Dizier ou? Non, Rethelois. Ok. Rethelois, ouais. Ok. Le séchoir il est où là? Ouais, donc le séchoir on le voit il est juste ici. Ah ouais, c'est un. Ouais, ok. C'est à gaz? Ouais, c'est ça, c'est un. Western Grain Dry. Ouais, ok. Grain Dryer. Puis dans le fond, ça c'est les camions, du coup ils vident directement bah, ici là. Puis tout vite par là? Ouais, tout vite par là, puis ça monte dans les élévateurs, ça redescend par gravité dans ce silo là. Et après en fait c'est à la demande du séchoir, puis il se vide automatiquement tout doucement là. Puis après au moment que c'est sec, ça va directement dans les silos. Là c'est quoi qui arrive le camion? Ouais, c'est un camion du blé et du pois là. Blé-pois mélangé? Ouais, un mélange blé-pois, c'est un essai qu'on a fait cette année là. Ouais. Donc c'est vraiment tout nouveau pour nous là. Et on va reculer ouais. Ouais, on va reculer pour le camion. Comment vous avez fait ça le mélange blé-pois? Pour des questions de coût d'engrais, parce que l'engrais chimique aujourd'hui ça coûte vraiment cher. Ouais. Donc, surtout qu'ici on en consomme vraiment pas mal avec la surface qu'on a. Et du coup avec ça on a réussi à faire une grosse économie d'engrais chimique. Puis en plus on a eu des très bons rendements, puis c'était vraiment propre après dans les trémies. Donc plus qu'à trouver une solution pour le trier.
Puis, ça trier sera le blé du poids. Ouais, trier le blé du poids, puis après pareil le poids cassé, essayer de l'enlever là. Parce que les coopératives ils aiment pas trop là, okay. Pour la consommation humaine. Du coup le poids il s'est comporté comment dans le blé? Ouais le poids, bah, c'est ça qu'on a trouvé ça étonnant, c'est qu'il a monté autour du blé. Du coup, il était pas du tout versé au sol. Il devait avoir moins de pertes, quoi. Ouais, beaucoup moins de pertes, quasiment pas de pertes à la coupe. Et en plus, vu qu'il fixe l'azote, il l'a fixé, puis il l'a restitué au sol. Puis, ça s'est bien ressenti sur le rendement, quoi. Ah ouais, vraiment bien, là. Et du coup, ton patron, il devait être content du... Bah, vraiment bien. On dirait qu'il avait gagné au loto, là. Ah ouais. Bah, ça vaut le coup d'essayer des fois. Ouais, bah, tu peux avoir des échecs et tu peux avoir des réussites. Bah, c'est ça, tout le monde autour disait oh, t'arriveras jamais à le ramasser, jamais. Et en fait ça se ramasse mieux quasiment. Encore mieux que du blé tout seul ou du poids tout seul. Ah puis toi tu sais bien, t'étais sur la moissonneuse. Bah, c'est si ça marchait pas, tu le dirais. Ouais c'est ça, je leur ai dit, non, franchement c'était parfait. Ça s'est super bien passé. Ouais, parfaitement, là. On n'a rien à redire là-dessus. Oh, on va y voir le mélange du coup là. Ouais. C'est bien gentil du vieux poids. C'est le mélange blé-poids dont vient de me parler Duncan. Et Jean-Guy, le patron de la ferme, va monter un trieur spécialement conçu pour trier le blé du poids. Parce qu'en fait, l'économie d'azote réalisée sur le blé, donc l'azote apporté par le poids, c'est tellement rentable qu'avec la surface, ils savent qu'ils peuvent investir pour 20 ans, 30 ans dans un séparateur. Et tous les ans, le poids va apporter de l'azote gratuite au blé. Donc là, ils sont partis à fond dans ce système-là, c'est assez intéressant. Plutôt que de se dire tous les ans, on n'investit pas dans du matériel, on continue à mettre de l'azote au blé. Ils disent, on investit dans le séparateur une fois pour toute sa carrière. Et après, tous les ans, on aura notre azote gratuit par le poids. C'est, je trouve que c'est un truc trop bien. Bon voilà, le pulvée a démarré, on va aller monter là et tout à l'heure quand il va être dans le champ qui fait le tour de la ferme, bah, on va être bien, on va être posé, on va voir l'avion qui va passer au pied de nous. Ça y est, je suis monté tout en haut de l'élévateur, un peu plus de 40 mètres. Là, j'ai pas le vertige, mais voilà, on est au milieu des plaines de colza, vous voyez.
Là, on a le petit Starfire 6000 pour envoyer le RTK à toute la machinerie dans la plaine. Voilà, c'est intéressant. Les cellules qu'on a vues tout à l'heure avec le Pepcas. Je tiens bien l'appareil parce que là, si on tombe, il sera un petit marché. Et là, donc, on attend l'avion. Et il devrait pas tarder parce que je le vois loin là-bas. Je sais pas si vous le voyez sur la tour. Il fait demi-tour, il finit la parcelle d'en face où on est tout à l'heure. Et il arrive, apparemment, il m'attend un grand spectacle parce qu'il va passer au ras du drapeau canadien juste là. Pages turning, yesterday is burning. Now's the time for learning, the future has come. I feel the times are changing, I see the light escaping. A season for connecting, tomorrow has dawned. Dreaming with a vision. Bon, ça y est, ils arrivent, regardez-moi ça. Le beau spectacle qu'on va avoir. Il fait le demi-tour gentiment. Là, ils foncent sur moi. Là, les gars, c'est la guerre. Jamais dans l'histoire de HLG, j'aurais pensé me faire survoler à 4,50 m de ma tête par un avion. Enfin, c'est un truc de malade. And the future has come. À la moisson là. À la moisson, la troisième arrive. À la troisième arrive. Oui. Ah ouais. Ok. Bon. On vous rejoint au champ directement. Ok. C'est quoi qui gole là-bas? Ça a l'air, ouais. Ouais. L'avion a fini là? Je pense que oui. Ouais, si, je l'ai vu tout à l'heure, j'étais en haut. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau, ouais. Ouais, ok. Parfait. Et bon, ben, je te suis, ouais. Ok. Ouais, salut.
là pour commencer le tour des 5 chauffeurs, celui qui fait les navettes en camion, les 3 batteuses et le 1050 au transbordeur. On va aller voir Fabien, avec qui on a emmené les produits phyto ce matin à l'avion. C'est lui. Qui est sur le 1050, full black. Black beauty quoi. Bon, ça va? Ça va. T'es occupé ouais. Toi aussi? Ouais. Pas plus que toi? Ah, t'as ouais. L'air débordé là? Ouais, encore pas mal là. Ouais, il y a 3 batteuses là, ça occupe pas mal là. Ah ouais. Et du coup, bah, là voilà, là, on est à bord hein, avec le Fendt, le 1050. Ouais, ça nous occupe pas mal. Là, les rendements sont pas trop mauvais, puis la parcelle est un peu merdique, avec beaucoup de fossés et tout, du coup, faut pas aller bien vite. Comme t'as vu, là, l'accès, elle est pas terrible pour les camions, alors. Ah oui, voilà. T'as l'air envie là-bas. Et donc là, ça c'est des blés que vous avez semés quand sur l'exploitation? Ça, on les sème, donc là t'attends la fonte des neiges et tu sèmes, là on les a semés fin mai début juin. En une semaine, on a fait les 2000 hectares et donc là on est combien? Là on est le 11 septembre et tu vois là, on est déjà dedans. Là, puis c'est pas les rendements en France, là, mais c'est déjà des bons rendements pour cette année, on a eu pas mal d'eau. Et... Ah, pour des blés de printemps, c'est bon quoi? Ouais, c'est ça, ouais, là ça donne déjà pas mal là. Et là on voit que les silos cette année ils vont être pas mal blancs là. Et c'est quoi en rendement que ça fait un blé comme ça? Là ici bah nous on parle à 60 bouchons la lacre. Après il faut faire ça fait à peu près du. Je pense que ça doit faire du 40 quintaux, 50 quintaux. Ah ok. Donc tu vois c'est pas les 100 quintaux qu'on a en France, mais bon ça nous. Tu peux expliquer aux abonnés un peu pourquoi c'est impossible de faire du blé d'hiver comme nous en Alberta. Comme on a expliqué ce matin, c'est trop compliqué avec le climat. En fait, l'hiver, là, dans 2 mois, il peut y avoir moins 30 ou moins 40. D'accord. Donc c'est trop compliqué, le blé ne tiendrait pas. Et du coup, ici, c'est des blés et du colza, vraiment, qu'on sème, qui reste vraiment 3-4 mois en terre. Et on arrive quand même, c'est pour ça qu'on ne fait pas des 100 quintaux, mais on arrive quand même, après on rattrape avec la surface, tu vois. Ouais. Et après en neige ici, à partir de novembre à avril, tu peux avoir quelle hauteur de neige ici? Là, ici, ils ont jusqu'à, je crois, ils ont jusqu'à 8 mètres de neige. Ah ouais. En cumulé, tu vois. Donc, tu sais, comme Darren, là, il nous disait, lui, il reste ici tout l'hiver, et il nous dit que des fois, t'as pas le temps de finir de déneiger, que t'as une tempête qui revient, puis là, t'es mort, là, faut déjà encore recommencer. Est-ce que Darren, qui va reprendre l'exploitation, lui, il reste, il habite ici et il reste toute l'année, lui? C'est ça, ouais. À contrario de Jean-Guy, qui lui voyage à l'hiver, mais... Ouais, Jean-Guy, il c'est sa ferme, mais il est là que 6 mois de l'année, quoi. C'est ça, ouais. Du coup, Darren, c'est celui qui reprend, là. Pour le moment, ils sont en train de passer, là. Le passage du témoin. Ouais, c'est ça. Ah oui, okay. Et du coup, voilà, lui, il reste ici tout l'hiver, il aide le déneigement, il fait la livraison du grain. Ok. Le stockage qu'on a, il est pas mal occupé. Et lui, Jean-Guy, il fait quoi, du coup, l'hiver? L'hiver, lui, il s'est acheté un camping-car récemment, là, et puis il part, parce que du coup, moi, je suis considéré comme un stagiaire ici. D'accord. Et du coup, il part voir tous ses stagiaires en France, là, du coup. Ah ouais, donc coup, il a un machin, il a un camping-car en France, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, comme ils appellent ça, une maison motorisée. Ah ouais. Et tout son hiver, il passe en France ou ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça, en France, là, apparemment, il va aller un petit peu en Thaïlande, et puis bah, du coup, maintenant, il a trouvé une nouvelle personne à aller voir. Ah ouais, bah oui, je lui ai dit de venir voir mon exploitation. Et du coup, voilà, ouais. Ouais, c'est vraiment sympa, là, il tient vraiment. Il a vraiment ça à cœur, les stagiaires, et puis on est vraiment bien là, tu vois, on n'est pas les plus à plaindre là. Il m'a dit tout de suite, je pense qu'on va faire une équipe ensemble avec mes anciens stagiaires pour aller faire la moisson d'Australie. Il m'a dit, oui, est-ce que je peux compter sur toi? Bah, je dis, bah, je sais pas, je suis pas stagiaire. Puis il m'a dit, non, parce que dans mes anciens stagiaires, il y en a qui sont trop fêtards et je pense qu'il faut des mecs un peu plus sérieux comme toi. Ah, j'espère qu'il parlait pas de moi. Ah, je sais pas. Ça se termine? Oui, juste le point qui reste. Ouais. Là, nos allers-retours commencent à raccourcir beaucoup, là. Donc, ça nous ouvre d'autres options. Bon, ça se passe bien la succession pour reprendre la ferme? Oui. Alors, on commence, c'est un plan de 5 ans. Dans 5 ans? Là, c'est plus 5 ans, oui. Okay. Et dans 5 ans, ce sera toi le patron de la ferme? Oui. Okay. Parce que toi, ton père, il faisait quoi comme métier? Il y avait des camions. Ok. Et toi, tu préférais être agriculteur? Non, avant ça, je faisais du travail avec les camions.
Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te rapprocher de Jean-Guy pour reprendre l'exploitation? Je travaillais dans l'office à la fin pour la compagnie de camions. D'accord. Donc je voulais sortir de l'office. Ah oui. Tu te plaisais mieux au volant quoi? Pas ça. Tu te plaisais mieux sur le... à faire de la conduite? Ah oui, je voulais aller dehors en plus. Ah oui, ok. Ah ouais, donc le fait que tous les jours ça change de travaux, ça te plaît quoi? Oh oui, oui. Chaque journée, quelque chose de salaire. Donc toi t'es né ici à Falleur et tout l'hiver tu restes ici? Tu t'en vas pas toi? Oui. Non, moi je reste ici tout l'hiver. Ça te plaît l'hiver ici? Oui, j'aime l'hiver. Parce qu'il peut faire jusque combien les températures extrêmes? Il faisait moins 40, moins 50? Oui, moins 40, c'est pas moins 50. Ah ouais, ok. Et tu fais quoi de tes journées à moins 40 degrés? Du camion avec les chaînes? Oh non. J'ai fait ça déjà, mais pas à moins 40. Ah ouais, ça fait trop? Oui, c'est trop. Ah ouais? Donc tu fais de la mécanique ou? L'année passée, j'ai été travailler à la même entreprise que je travaillais pour avant. En transport? En transport, oui. Puis là, cet hiver, on est assez grand, j'espère que je peux camionner cet hiver. Bon, ouais, je vais te laisser. Ok. Tu vas continuer comme Jean-Guy à prendre des stagiaires français après? Oui, c'est pendant le plan. Toute ta carrière? C'est le plan. C'est le plan? Tout à ta quel âge? Moi, je suis 25. T'as 25 ans? 26. Ah ouais? Oui, 26. Donc, dans à peu près 30 ans, tu seras patron de cette ferme de 2000 hectares? Oui. Et après toute ta carrière, tu continueras à prendre des stagiaires? C'est le plan. Des bons comme Duncan et Fabien? Duncan et Fabien peuvent toujours revenir. Ah, ils peuvent toujours revenir? Oui. Ouais. Bon, moi, je te souhaite bon courage. Maintenant, je vais voir Duncan, le français. J'ai un Champagne-Ardenne. Bon, ça va, ça se termine? Ouais, c'est bon, on n'a pas vu la fin là. Ah ouais? Encore quelques bornes, là. Peut-être encore une demi-heure, une heure là. Ah ouais, ça va finir de bonne heure ce soir? Oh oui, on a hâte de rentrer là. Et tu vas dans les colzas après toi ce soir? Ouais, c'est ça, après je vais souffler ma machine. Et, à la ferme? Ouais, bah non, je vais la souffler ici dans le champ. Ok. Bon, on va pas salir la ferme. Après, je vais changer mes concaves pour le colza. Et comme ça, ce soir, on a pu repartir faire un essai. C'est pas tout pour demain, toi? Non, 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 ce soir, le temps que je prépare ma machine, là, ça sera pas pour ce soir, mais aussi pour demain matin. Ah ouais? Comment ça se passe bien, la moisson? Bah, ça se passe bien, en plus, on a des bons rendements cette année. Là. Ouais? Bah, on est quand même content. Jean-Guy, pas trop, il va être content, là. Ouais, vraiment. Ouais, il va pouvoir prendre des bonnes vacances après. Surtout avec le prix du grain là, et pas mal intéressant. Là, donc, Son gasoil, il a pas payé trop cher. Cette année? Ouais. Bah, cette année, ça va en commun. Ah ouais, ok. Et les engrais chimiques, bon, on en a mis un peu moins cette année, puisque le prix est quand même pas mal élevé, puis on n'avait pas de stock. Ouais. Les coopératives avaient du mal à avoir un bon stock d'engrais, mais on s'en sort quand même bien. Là. Ah ouais, ouais. C'est satisfaisant. Les conditions météo étaient bonnes? Ouais, étaient bonnes là, on a eu de la pluie comme il faut, du soleil. Et là, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de pluie, donc le terrain a pu maturer comme il faut. Okay. Là, c'est bien sec en plus. Et là, c'est pour du semi direct, c'est vachement propre les cultures, comment vous faites? Ouais, c'est ça. Ben, nous, ici, on passe, on broie notre paille, puis après, on passe des herses, c'est des grosses herses en gros. Comme c'est plein de dents, ouais. Sur une herse, il y a à peu près 1000 dents. Ah ouais. Et c'est comme ça étale la paille, puis ça casse un peu tous les buts entre les deux 30 semis. Ouais. Et après, au printemps, là, avec l'hiver qui passe dessus, au printemps, ça va vraiment bien pour semer. Ah ouais. Et la herse à paille, c'est important comme truc? Ouais, c'est quand même important, sans ça, on n'arriverait pas à faire du semis direct. Et toi, alors, du coup, t'as réussi à faire de belles vidéos avec l'avion en haut de la tour? Ouais, ça va, je suis monté en haut du... L'élévateur. En haut de l'élévateur, là. Ouais, il passe juste au-dessus et tout. Ok, bah ouais. Et il frôle, t'as dit comment ouais. Il frôle, ça rend vraiment bien. J'en avais vu en Australie, mais j'avais pas réussi à filmer parce qu'ils étaient loin et j'avais pas les contacts. Ok, ouais. Dans les fermes où ils pulvérisaient. Et en Australie, c'est pas si carré que ça, les routes. Okay. Et ce qui fait que quand on voit quelque chose dans un champ, c'est pas aussi facile de s'y aller, quoi. Ok. Alors qu'ici, c'est quand même plus facile, quoi. Plus facile, ouais. Ouais. Et puis là, tu as eu de la chance quand même qu'ils viennent vraiment proche bah de la ferme aussi proche. Ouais, ouais, ça fait déjà Fabien, ça fait une semaine sur Instagram et tout, qu'il me contacte pour l'avion. Pour et puis, ça pour venir. Ouais. Normalement, le 11, on aura l'avion. Tout ça. Bah, c'est aussi pour ça que je suis venu. Quoi. C'est une chose un peu. Bah, c'est un peu fou de voir ça quand même, ouais. À la vitesse que ça va. Ouais.
Alizé qui était dans la voiture, elle me dit oh, ça vaudrait le coup de développer une activité comme ça en France. Ah ouais, bien sûr que c'est pas autorisé. Désolé, non, on n'a pas le droit. Avant, ils faisaient en hélicoptère, je ouais, sais. Ouais. Mon frère, il faisait ça, là, mais maintenant, ça, on n'a plus le droit. Ouais. C'est pas tant qu'il gagne du temps, mais c'est qu'il laisse la culture propre. Quoi. Ouais, c'est ça, il touche pas à la culture, puis il n'y a pas de traces de train de tonneau. Comme celui-ci, il a eu le pulvé aussi. Comme ouais, celui-là, ouais, ouais. Et on voit, il n'y a aucun. Il est propre et il n'y a aucun passage de pulvérisateur. C'est toujours homogène. On pourrait presque faire croire aux abonnés que c'est du blé bio. Ah ouais, c'est ça, du blé bio. Bon, je vais continuer mon tour. Ça va ce soir ? Pas de problème, ça marche, c'est à ce soir. Bon, le troisième chauffeur, c'est Jean-Guy. C'est le patron de l'exploitation. C'est lui que je viens voir en dernier dans sa machine. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Oh. C'est fantastique. Condition australienne. Condition australienne, ah ouais. Parce que c'est pas représentatif de voir ça, normalement c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué, c'est rare qu'on fait la moisson du blé à 12% d'humidité. Là. Souvent c'est combien? Souvent c'est 16, entre 16 à 20. Ah ouais, ok. Donc là tu vas pas faire tourner le séchoir? Très peu de. Cette année, on a rien à mettre dans le séchoir. Ah ouais, tu vas faire des économies quoi. C'est sûr. Tu vas gagner plus d'argent. Ouais, j'espère. Tu vas pouvoir te payer des belles vacances cet hiver. Ah ben j'espère, ouais. Je vais aller voir les Français et voir comment la moisson de maïs. Ah ouais, tu vas venir en France voir ça? Ouais, ben je vais aller conduire une moissonneuse batteuse là. Ah oui, chez qui? Un ancien stagiaire. Ah ouais, ouais, qui fait du maïs grain quoi. Ouais, du maïs grain. Ah ouais. La coupe va être plus petite par contre. Un petit peu, oui. Ah ouais. Et toi, tu vas venir chez moi, j'espère. C'est sûr. Parce que si sûr. T'as un beau camping-car qui t'attend en France. Ah ben, c'est ça, moi, un camping-car pour aller visiter tous nos contacts. Ah et si t'as jamais vu la Bretagne. Non. Il y a des belles choses à voir. Ah, oui. Et le Mont-Saint-Michel sur la route. Ouais, on a fait le Mont-Saint-Michel. Ah ouais, ok. Ah ouais. Etretat, puis, t'as déjà fait Etretat, Mont-Saint-Michel? Oui. Mais on n'a pas été plus à l'ouest. À l'ouest. Ah oui. Bah, ça va venir. Maintenant, ouais. T'as des contacts là-bas en Bretagne. Ah, avec ouais. Moi. Ouais, c'est ça. Okay. Bon, bah, je serais super content de te recevoir, en tout cas. De te faire visiter la ferme. Et... Ouais. Ouais. Et quelle sorte de fromage que vous avez dans votre région? En Bretagne, il n'y a pas vraiment de fromage. Ah non? Non. Vous n'avez pas de spécialisé? Pas en fromage, ouais. Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. Ah, on a le cidre, on a les crêpes et on a les galettes saucisses. Ouais, les crêpes crétons. Ouais, voilà. Ça, on pourrait te faire goûter. Ouais, ça, on connaît bien ça. Ouais. Ouais. Donc, il y a en fait des bons. Ah ouais? La première année, il y a eu... je pense que ça fait deux semaines, un dimanche matin, toc toc sur la porte. Veux-tu des crêpes? Je vous présente mes crêpes. Ah oui? Là, on va dire, on va le garder. Ah oui? Ça fait combien de temps que tu prends des Français tous les ans sur ton exploitation? Ça fait 26 ans. Ah ouais? Et ça s'est toujours bien passé? Ben, c'est en général. Ah ouais, ok. Ouais, en général. C'est content, c'est Français. Des fois, c'est des bonnes défis en avant de nous. Mais... Ah ouais? Ouais. On a commencé avec Sésame, puis là on est rendu avec Agri Odyssey. Ah ok. Pour moi c'est bien. Ouais, c'est une très belle expérience. C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé la coupe directe en canot là. C'est grâce aux Français? C'est grâce aux Français. Ils t'ont dit qu'avec l'endénage tu perdais trop de temps? Ben, c'est plutôt, ils m'encourageaient de l'essayer. De là? De l'essayer. Ah ouais, ok. Puis au début j'étais un peu craintif. Mais avec en écoutant les
Les stagiaires. Les stagiaires, j'ai décidé de l'essayer. Ah et ouais. C'était un très très bon succès. Ah ouais, ok. J'étais le premier à faire en ça. En coupe à biseau. Le premier à acheter des biseaux en Alberta. D'accord. Ça existait à Manitoba. Du coup, tu as complètement arrêté l'endainage du colza. Complètement arrêté. Et tu gagnes du temps et de l'argent avec en arrêt. Oui. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Pour, ça diminue les risques, puis ça, on a souvent un meilleur rendement. Ah ouais. La majorité du temps. Donc l'endainage, ça se perd par ici. Plus en plus, ça se perd. Ah ouais, ok. Et les fans aussi, c'est des stagiaires français qui t'ont conseillé d'acheter des fans. Ouais. Ils t'ont dit d'essayer ça. Oui. Et t'es content avec maintenant. Ah oh, ouais, non, surtout ceux-là. 2050 que t'as. 2050, ouais. Et un vert et un noir, c'est pour les reconnaître ou Ouais, ça a tombé comme ça. Ah oui, c'est ce qu'il y avait disponible, quoi. C'est ça. Ah ouais. Il m'avait... Le noir, on n'avait pas les intentions de le changer, mais quand il a accepté de prendre le vieux fan, parce qu'on avait un 936 avant. D'accord. Il m'a fait une offre d'échange. Intéressante. Intéressante. Je n'étais pas... Ça aurait été con de refuser ça. Ah oui. Ouais, ça a arrivé à, je crois, 16$ de l'utilisation. Ah oui. C'est très bon. C'est très bon. Et là, sur le 1000, pourquoi c'est marqué Damien sur les plaques? C'est des... Non, Damien, c'est le stagiaire de l'année. C'est des souvenirs, quoi. Oui, c'est ça. Ah ouais. Quand on achète un matériel, on baptise le nom. Un stagiaire qui a été là, quoi. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais, donc là, Damien, c'est un ancien français qui a travaillé chez toi. C'est ça. Puis le vert, c'est Fabien. Ah oui, d'accord. Ça, le... Ah ben, c'est le, bien. Le Kubota, le skid steer Kubota. Ah ouais, ok, j'ai vu. Ouais, ça c'est Duncan. Ah ouais, j'ai vu, ouais, le Bobcat Kubota. Ouais. Ok. Cette année, on a une remorque. On l'a pas baptisé, non, on l'a baptisé Fabien. Ah oui. C'est bien parce que ça nous fait. C'est un bon souvenir. Pour se rappeler, quoi. C'est sûr. Quand tu vois Damien, bah, tu repenses à lui, quoi. Ben, c'est ça. Ah ouais? C'est ça. C'est justement ça. Ouais, c'est assez incroyable comme idée. C'est original. Souvent, avec le stagiaire, on est capable de se souvenir des prénoms. Les prénoms, oui. Et aussi les. Quelle sorte de campagne qu'on a eue. Ah oui, ok. Tu sais qu'avec Damien, ça s'était passé, les conditions, comment ils avaient été, si ça avait récolté le colza dans la neige. C'est ça, ah ouais. Exactement. Comme, ouais, tu te souviens bien, ouais, c'est bien. Ouais. Et donc là, tu pars dans combien de temps? Tu pars à l'étranger, toi? Tu pars de chez toi pour combien de temps et dans combien de temps? Ben, on va partir dans un mois, du coup. Il va commencer à faire froid, quoi. Le 8 octobre. Pas nécessairement qu'il va faire froid, parce que le mois d'octobre peut... Et encore être beau, quoi. Il peut toujours être beau, mais autant qu'il peut faire moins 15, le 15 d'octobre. Ouais. Et il peut faire quand même un très beau mois d'octobre. Vous n'avez pas d'automne, vous. C'est soit été, soit hiver, en fait. C'est ça. Ça. En une semaine, ça change, quoi. C'est ça. 30 jours, mais même une semaine, ouais. Ah ouais, une semaine, ça change. Et tu reviens en avril, après. En avril ou début mai, tout dépend que les conditions, okay, ici. Ah ouais. Et après, tu voyages dans le monde entier, entre-temps, tu fais tes vacances, quoi. C'est ça. On va aller voir une ferme de riz à Thaïlande, Ceylan. Là, c'est prévu cet hiver. Cet hiver. Ah ouais, des contacts que tu as aussi, quoi. Thaïlande, oui. Ah ouais. Là, ça, on va aller retourner en Nouvelle-Zélande. On va peut-être prendre une semaine ou deux en Australie. Ah oui. Ah ouais, tu fais... C'est pas mal. Ouais. Aussi, on a des contacts. Et tu regardes Smart Farm. Ok. C'est des gens que tu connais, quoi, en Australie. Ouais. Et tu vas essayer d'aller les voir, quoi. C'est ça. Après la France. C'est ça. C'est le plus gros producteur de la graine de luzerne. En Australie. En hémisphère du sud. Ok. Et il est, du coup, il est en Victoria ou Queensland? Lui est en New South Wales. Ah, ah ouais? Non, Sud Australia. South Australia. Ok. Sud Australia. Ouais, South Australia. Donc là, une exploitation de... C'est combien, 5 000 acres total? Ici, c'est 5 000 acres.
Ça fait 2000 hectares à peu près. Ouais. Et en chiffre d'affaires, tu, les meilleures années, tu peux faire jusqu'à combien? Les chiffres... recule et rapproche-toi. Ben, les chiffres d'affaires, c'est entre 2 à 2 millions de brut à 3 millions. Ah ouais, d'accord. Ça dépend là, la, les prix, la récolte. La récolte. Et les prix, quoi. Les prix, ouais. Ah ouais, d'accord. Et dans votre système en semi-direct et faible coût de charge, vous arrivez à faire des bonnes marges, du coup, quoi. Ah oui, c'est ça bien. Que sauver l'industrie ici. Ah c'est oui. La, c'est la. C'est surtout le semi-direct. Ah oui. Dès que vous avez arrêté le labour, les marges ont augmenté. Ça se compare. Ah ouais. Ouais. Parce que vous avez pu, par personne, faire beaucoup plus d'hectares, quoi. C'est ça. Pas juste ça, c'est que les charges sont diminuées. OK. Puis tu peux, c'est sûr que tu peux faire plus de surface. Surface. Plus vite. Plus vite. Plus efficace. Et OK. Et là, par contre, comme du blé, le blé, non, c'est pas OGM, le blé, si? Non, c'est un blé. Non, pas le blé. Pas le blé. Le col canola, c'est OGM? Oui. Ouais. Bon. Encore un peu. Told you what I've done in the dark. You felt far away. I was gonna be sheltered as your wife fell asleep. We were in the back of my car before you were far away. Now that you see darkness in me, won't you please? Script. He's taking lots of notes, telling me I'm making progress. I broke everything. I'm a zombie on the sidewalk, stumbled into strangers, thinking about kissing the traffic. God, it'd be so quick. Spiders crawling. Donc là, la première moissonneuse, quasi à chaque ciel flot 92-30, rentre sous l'hangar, et la deuxième arrive, donc la troisième. Elles sont toutes rentrées toutes les nuits pour qu'elles restent bien rouges et qu'elles deviennent pas roses. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes maintenant? On va soigner les ours. Tu vois, on ira soigner les ours demain, mais ah ouais. si tu veux, on va aller voir les ours, ça tourne encore un petit peu, puis après on va les manger. Puis... C'est sur quel tracteur ça? C'est sur un Challenger. C'est des ours de... Ah, ça paille. Ah, ça paille. En combien de mètres? En 24 mètres. Ouais, voilà. Par le dessus, c'est bien par la trappe. Ouais, par la trappe au dessus, c'est vraiment c'est bien pensé. Et le jumelage, il passe sous le boisseau. Ah, le jumelage passe, mais tu verras que c'est très très juste. Ouais, on va pas se tromper là. On t'a arrosé un peu là? Ouais, un petit peu, ouais, t'as vu, c'est pas. Quand tu vois le 40-20, ça c'est pas la mairie qu'on croit, ça. Ah ouais, ah, c'est 40, ah, je croyais que c'était 50-20. Non, non, c'est un 40-20, ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est... 50, c'est plus gros, quoi. Ouais, c'est plus mais gros. Mais c'est 6 cylindres quand même, celui-là. Ouais, c'est ça.
Mais là tu vois que ça l'occupe déjà bien avec cette tonneau quand elle est chargée. Bon, on prend le Tacoma. On prend le Tacoma puis on file aux herses. C'est pas celui de ce matin ça? Si, c'est le même. Ah, c'est celui-là qu'on avait ce matin? Ah non, ça c'est un autre, mais ce matin on est monté dedans, non? On l'a pas pris celui-là? Ah, je crois pas. Ah, c'est quand nous on est parti avec. Ah ouais, voilà, sur moi, ouais. Ah ouais, c'est pas le même. On le laissait dedans et que il voulait. Et que bah, du coup j'ai dit qu'on mettrait là-bas et puis on déchargera demain matin. Ah ça, bah là j'amène vite fait Hugo voir les herbes, comme ça je récupère Amanda puis après on arrive pour manger. Vas-y, tiens. C'est la course ici hein. Ouais, c'est la job. Oh, regarde les sons en forêt. Ah j'espère, il peut y en avoir ce soir parce que là ça rafraîchit puis il a fait vraiment chaud aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je disais, ouais. je pense qu'il va y en avoir. Ah ouais. Ah je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait là. S'il fait pas trop noir après manger, je pense qu'on va essayer d'aller soigner les ours. Comme ça, si ah oui. Vous êtes encore dans les parages, on pourra peut-être qu'ils sont. Et là, c'est qui est avec le changer? Là, du coup, là, c'est Amanda, là, c'est la femme de Darren, là, ceux qui sont en train de reprendre la ferme. Et... C'est la future agricultrice, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, la future, en passe de devenir agricultrice. Du coup là tu vois ça fait vraiment du bon boulot là, c'est nickel. Là tu vois que le Challenger il est pas trop occupé là. C'est pas ça qui fait trop tirer. Ah ouais, c'est un MT-765B. Ouais, c'est ça. Avec un guidage Trimble et puis... Ça, c'est un peu de la merde mais bon j'en dirai pas. Tu préfères le guidage Jender? Ouais bah c'est vrai. C'est bah vrai, ouais c'est mais t'as l'antenne RTK sur la ferme aussi alors... Ouais c'est ça. Là tu vois, ça fait vraiment, tu vois vraiment le bon boulot que tu as fait. Là. Voilà, il y a vraiment beaucoup de poussière, alors tu vois pas trop, mais... Vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'étaler au mieux les tas de failles pour ne pas avoir de problème au semis, en fait. Ah ouais. Et elle passe dans les rigoles pareil, comme ça? Ouais, c'est ça, bah, normalement, elle ralentit un petit peu. Sans largeur, il y en a des plus larges que ça, il y a des 30 mètres ou plus ou... Ah là je pense là on est pas mal proche du plus gros là. Ah, on ouais. va en prendre d'autres mais elles sont plus petites. Et bah déjà avec ça, parce que déjà dans les bords de champ là il y a plein d'endroits où tu es obligé de manquer parce que c'est tellement gros là en fait tu peux pas. Ah ouais ok. Dans des petits coins tu peux pas y aller en fait. Ah ouais. Du coup, après, ouais même les autres voisins agriculteurs qui pratiquent cet étalage ça, de paille là ils ont pas forcément plus gros que ça. Ouais en fait. C'est ça, non après tu restes à peu près sur cette largeur là, c'est pas mal le maximum là. Mais cette année, c'était obligatoire même que vous broyiez la paille sèche. En fait, ouais, parce que Jean-Guy me disait, c'est surtout les années où la paille est humide, où là, ça fait des gros paquets qui sortent de la machine. Mais là, tu vois, comme c'était une pas trop mauvaise année, tu vois, on avait quand même pas mal de paille. Du coup, t'es quand même mieux de le passer là. Tu vois, tu sais, ça consomme pas trop en diesel. C'est sûr, tu payes un opérateur à être dessus là, mais ouais. Au moins, t'es sûr de vraiment pas être emmerdé au printemps. Parce qu'il y a des fois où quand c'est vraiment humide et quand il y a vraiment pas mal de paille. Ouais, de paille. Ah merde, Amanda m'a appelé. Ah ouais, putain, mais du coup, il faut que je la ramasse. Ça, ça va Alizé? Ça va. Ça
Ça y est, t'es connu, Amanda. Oui. Bon, ça marche le Caterpillar. Quoi? Ça marche le Caterpillar. Oui. Il marche bien dans les rigoles ouais, comme le Tacoma, ça. Ouais, ouais. Le Tacoma, faut savoir l'utiliser. Ah ouais. Bon, Isée, bonne journée. Très bonne journée. Ça change de Côte d'Armor. Oui, ça c'est clair. Bon, on a invité Jean-Guy à venir nous voir en Bretagne. Oh oui. Ouais. Il a dit je pourrais conduire ta moissonneuse parce que je pense qu'elle doit pas être aussi large que la nôtre. Oui. Il va déjà chez un ancien stagiaire. Au maïs gras cette année là. Ok. Il m'a dit 8 rangs en maïs, ça va aller. Je serai habitué avec la largeur. C'est sûr ça. Bon. Petit repas. Allez, petit repas après une bonne journée, et puis après on est reparti demain. Donc là, c'est quoi? Donc là t'as la photo de tous les stagiaires là. En fait Jean-Guédiane il reçoit des stagiaires depuis 20 ans. Ouais il m'a raconté ça ouais. Et du coup là c'est tout. 26 il m'a dit. 26, ouais, bah 26 alors. Ouais. Et du coup là t'as tout dans l'ordre chronologique, du coup c'était les plus anciens. Là ça tu vois c'était Deron, au tout début ça. Et du coup, ouais, c'est marqué en 2000. Ouais c'est ça. Et du coup maintenant Deron c'est celui qui reprend la ferme. Et ah ouais ici là? Non. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ouais je pense qu'il doit être. 2000, là. Bah ici il a 25 ans. Ouais c'est ça. Ouais, il se déguise à chaque fois. Ouais, c'est ça, on se déguise à chaque fois. Du coup, là, c'est. En tenue canadienne, quoi. Toutes les années les plus anciennes jusqu'à ceux de cette année, Duncan et moi. Et puis... Ah, toi, t'es là? Ouais. En policier, là. Après, là, t'as l'autre un petit peu. Et Duncan, ah ouais, ça lui va bien, lui, hein. On dirait Johnny Depp. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Johnny Depp de Wish. Ouais. Là, t'as vu, là, t'as l'autre ici, là. En mode. En mode on dégaine. Ah ouais. Et là, il y a le sunset derrière. Ah, là, c'est là. On le voit encore, quoi. Oh, on le voit encore un petit peu, là. Ça, et là, c'est le parcellaire ici qu'on a déjà vu ce matin. Ouais, c'est ce qu'on a vu ce matin aux avions. Là, les avions, ils avaient le même envers la cabane. Ça, et eux, après, ils servent. Donc là, ici, là, par exemple, là, t'as Faller. Et donc là, du coup, là, tu sais, après, ils arrivent à savoir. Ça, en fait, c'est un carreau. Donc ça, c'est 64 hectares. Donc un petit carré comme ça, c'est un carreau. Et du coup, après, bah, t'arrives à savoir. Ils arrivent à se repérer, savoir chez qui aller et tout. Et là, un gros carreau, un gros rectangle. Rouge comme ça fait du coup ça fait 8 fois 64. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc là, on en a fait un par ici là, aujourd'hui quoi. Et bah là, nous aujourd'hui, on était à Faller, gars. Il faut regarder où c'est écrit. Donc là, t'as la highway. Tac. Et donc nous, on devait être par là. Gare Moulin. Donc, ah ouais, là, nous, ah, moi c'est là. Là. Ok. Là, nous, on était là, on a fait ces deux corps là. Ok. Et donc la ferme, après, elle se situe ici. Donc on a fait 130 hectares, 140. Ouais, là, c'est ça. It's been a while since we felt the way we did back when we were dumb and younger. It's been a while since I looked into your eyes and saw starlight, gold, bright color. Yeah, when I'm down, when I'm proud. Bon bah les gars, je vous laisse un petit souvenir de mon passage. Pour vous remercier de m'avoir l'idée de m'avoir reçu ici en Alberta. Merci à toi, merci d'avoir. Je vous en laisse une pour Jean-Guy. Ouais, pour Jean-Guy, ok, on va voir. Parce que je ne vais plus le voir ce soir. Demain.
Merci. Ouais, voilà. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. Et... avec plaisir. Ouais, ouais, ouais. Ça a été le sang bon, on va l'ouvrir, ça a pas trop. Ah ouais, non, là, nickel. Parfois, il y avait presque plein de ça. Ah ouais. Ok. Bon, bah, moi je continue ma route. Bon, bonne continuation pour votre fin de moisson. Ah non, on va merci. Okay. Bon, ouais, merci beaucoup. Ouais, salut.